Good morning, allez, Yidden Netzutra, aujourd'hui, le Lunishmat, Mori Rabbi Shmuel Ben Shlomo Zalman, 6 mois déjà. Nissim Ben Ahouda, Sarah, Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez, vous aussi dédier une prochaine étude de Demi-Shah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions ma Sechet Menachot, Perekhe Mishnah Aleph. Kol HaMenachot Ba'ot Matzah, Chutz Mechametz Shebatoda, Ushte Alechem. Shehen Ba'ot Hametz. Rabbi Meir Omer, Seor Bode Lahen Mitochan Umechametzan. Rabbi Yehuda Omer, Afhi Enamin Amuvachav. Ela, Mevi et Aseor, Benoten Letoch Amida, Memalet Amida, Amrulo, Afhi Aita Chasera O Yetera. Toutes les Menachot, Kol HaMenachot Baot Matza, toutes les Menachot viennent en Matza, en pain qui ne lève pas. Chutz mechametz shebatoda veshte alechem, à deux exceptions près, qui sont le chametz shebatoda. Dans le korban toda, il fallait apporter 40 pains. 10 des pains devaient être, 10 de ces 40 pains devaient être chametz. Et les shte alechem, les deux pains que l'on apportait à Shavuot, shehen ba'ot chametz, qui sont les seuls deux cas de figure où l'on apporte du chametz. On explique, c'est très simple. Ouais, tout était relativement clair, si vous avez bien suivi, jusqu'à maintenant. En tout cas, toutes les menachot, ça portait du blé en général, parfois ça peut être de l'orge, mais en général c'est quasiment toujours du blé, qu'il faut apporter. La Torah elle insiste qu'il ne faut pas les faire chametz, il ne faut pas les faire lever. Ouais, comme pour la fabrication des matzot, c'est le même principe. Dès qu'on attend à partir de 18 minutes, ça commence un petit peu à fermenter et à lever. Là, la Torah elle insiste, toutes les menachot, elles doivent être faites sans être levées. C'est pour exprimer de l'humilité lorsqu'on vient au Beth Amikdash, à deux exceptions, le Korban Toda, et l'Eshta Alechem. On a déjà expliqué ça une fois dans 5 minutes, dans la paracha de Emor, de je ne sais plus quelle année. On est revenu plusieurs fois, on a déjà souvent expliqué le principe. Là n'est pas le sujet, on étudie la Mishnah et pas du Moussar. En tout cas, donc la Torah insiste, toutes les Menachot, il faut les apporter en Matzah et pas en Chametz, à deux exceptions qui sont les Lachmé Toda. Alors les Lachmé Toda, on aura l'occasion de mieux les détailler. Le Korban Todal, lorsque l'on veut reconnaître, être reconnaissant, exprimer sa reconnaissance envers Hachem, parce qu'il nous a sauvés d'une maladie, d'un voyage dangereux, on est parti en mer, et là, ouais, donc, le Chol HaChaim Yedou Chasela, le Cholé, ou bien celui qui sort de Mibet HaAsurin aussi, Chavouche, alors, on doit apporter ensuite un Korban Toda dans lequel on va reconnaître, on va dire merci à Hachem. Toda, dire merci. La Torah insiste ensuite d'apporter 40 pains, avec une quantité de esrim isaron, 20 isaron, une quantité énorme. De ces 20 isaron, on va en prendre 10 pour faire 10 pains, et les 10 autres pour faire 30 pains. Les 30 petits pains que l'on va faire, ils vont être des pains matza. Les 10 qu'on va faire, ça va être des pains chametz, avec le chametz. Après, le Kohen devra ensuite les couper en petits morceaux et récupérer une petite pincée, la fermenter sur le musard, tandis que le reste va être consommé par le propriétaire. D'accord ? Pas pour le chametz, de manière générale. D'accord ? C'était maintenant. La Mishnah m'enseigne, sache que les 10, ils doivent, donc les 10, nous ont dit des pains, les chametz chez Batoda, ils doivent être faits en chametz. Ushta lechem shen bot chametz. Maintenant, le sujet de la Mishnah va être d'expliquer une problématique. La Torah insiste, on a déjà appris maintenant, je crois que c'était le fin du Perek Gimel, avant de rentrer dans Zé Me'akev Zé, tout ce qu'on a étudié, est-ce que Me'akvin Zé Zé ou l'homme Me'akvin Zé Zé, on est parti justement à propos du Isaron, la quantité de 1 Isaron, le dixième de Eva, Asirita Eva, que l'on doit apporter lorsqu'on apporte une Mincha, ça doit être une mesure exacte. Et ça nous pose problème lorsqu'on doit apporter du Hametz. Parce que je t'ai demandé d'apporter par exemple 10 Isaron ou 2 Isaron pour les Dushta Alechem. Or, comment on fabrique du chametz? En théorie, on utilise une pâte qui a déjà fermenté. On récupère à chaque fois qu'on a fini de pétrir une pâte, comme ça se passait à l'époque, avant d'avoir la levure chimique. On récupérait un petit bout, on le laissait de côté, on le laissait encore fermenter. La prochaine fois que l'on faisait du pain, on prenait ce petit bout-là, on le remettait dans la pâte elle se mettait à fermenter, on reprenait encore un petit bout de cette nouvelle pâte, on le laissait de côté, jusqu'au lendemain, et ainsi de suite. D'accord? La fermentation, c'est un phénomène chimique, quoi, où justement une pâte communique à l'autre le besoin de se fermenter, d'accord? Ce début de fermentation, ça va faire que chacun il va provoquer que l'autre va plus fermenter. Or,
on a un problème technique. La Torah nous a imposé d'apporter une mesure exacte de 1 isaron de farine. J'ai un problème technique. Qu'est-ce que je vais faire si je vais mettre un isaron de l'extérieur et je vais le mettre dedans? Je vais fausser la mesure d'un isaron. Imaginez que par exemple, je devais avoir, on parle en volume, donc je veux dire 1 kg, mais c'est faux parce qu'un kilo c'est un poids. Imaginez qu'on parle à 1 litre de farine, d'accord? Je devais à la Torah l'imposer de prendre par exemple 1 litre de farine. En général, et même lorsque c'est du hametz, sauf que le hametz, ensuite, le niveau il va monter, mais le niveau de farine à mettre dedans, c'est un niveau de 1 litre. Or, si je vais prendre quelque chose de l'extérieur de fermenter, je vais rajouter sur cette quantité. Vous allez me dire, bah, t'as qu'à vider un petit peu de farine. Mais là, de nouveau, j'ai le problème. Parce que dans ce petit bout de levain que je vais prendre d'ailleurs, il a, lui, une quantité de farine, mais qui n'est pas exacte à son volume, puisqu'on a mélangé de l'eau. Et on se retrouve dans deux situations possibles. Soit il était très compact, et donc dans ce cas-là, il a un niveau de farine inférieur, et un niveau inférieur au niveau de farine qu'il y avait. On va tout expliquer ensuite, d'accord? Mais d'abord, je jette l'idée. Donc si je prends de la farine, imaginez, je prends un verre de farine et je mets un petit peu d'eau, et bien c'est vrai que le niveau il va baisser, parce que la farine, elle est avririte, en français ça dit, elle a de l'air entre elles, quoi. D'accord? Les grains de farine, ils sont pas tassés fortement. L'eau va faire que maintenant, ils vont plus se tasser. Si je mets un petit peu d'eau, le niveau il va baisser. Si je vais mettre plus d'eau pour le liquéfier plus, pour le rendre plus malléable, et bien c'est vrai que le niveau il va augmenter au contraire. Donc en fait, j'ai un problème technique, c'est quelle mesure de levain je vais apporter pour mélanger dans ce isaron, comment je vais procéder. C'est sur ça qu'il y a une discussion. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir nous dit, tu sais quoi? C'est or bodé lahen mitochan ou mechamtsan. Tu sais ce que tu fais? Tu prends d'abord ta mesure de 1 isaron. Une fois que tu as ta mesure, tu vas prendre de ce isaron un petit peu de farine, tu vas le mélanger à de l'eau. Et tu vas le laisser là-bas fermenter le temps que ça prend. Et puis ensuite, une fois que ça va fermenter, tu vas le prendre et tu vas le remettre dans la pâte afin que maintenant toute la pâte va se mettre à bien fermenter. Comme ça propose Rabbi Meir. On refait ça dans les mots, Rabbi Meir Omer. Seor bodé la haine. Le seor, il isole. Bodé, c'est qu'il va le retirer, il va l'isoler. Mitochan, d'elle, de cette quantité dans les sarones. Omechamtsan, il va être mechametz auto, il va le rendre chametz. Et après, il va le remettre. Seulement, il y a un problème technique. C'est ce qu'il lui dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Omer, Afi enam enam ofrar. C'est pas bon ce que tu me proposes. Ça va sortir que des pains chametz qui n'ont pas tellement bien fermenté. Le levain, plus il est vieilli et plus il a déjà eu l'occasion de fermenter, et de nouveau et de nouveau et de nouveau, à chaque fois qu'on a fait une pâte, on a remélangé et on a retiré à nouveau de la pâte. Alors maintenant, c'est un levain qui communique facilement la fermentation, le fait que la pâte lève. Or, si tu vas prendre un petit peu de cette farine, tu vas le faire fermenter, même si tu vas laisser, tu vas le mettre dans des conditions un petit peu humides et tout ça, ça ne va pas te donner le même, ça va pas te faire le même effet, ça ne va pas bien fermenter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous propose Rabbi Yehuda, et la mévi est à Seor, et dans ce cas-là, non, ben, il n'a qu'à prendre un morceau de Seor de sa maison, Venotan et Hamida, il va le mettre dans la mesure, ou Memale et Hamida, et après il va remplir toute la Mida jusqu'au bout. C'est-à-dire, tu vas prendre ton récipient qui a la quantité exacte de 1 siri taïfa, 1 isaron, tu la prends, tu mets ton bout de levain de la maison dedans, et tu rajoutes sur ça de la farine. Comme ça, apparemment, Rabbi Yehuda semble le proposer. Et sur ça, Amroulo, ils nous ont rétorqué à Rabbi Yehuda, oh non, c'est une catastrophe ce que tu veux faire, Rabbi Yehuda. Afhi aïta chasera ou yetera. Dans ce cas-là, il s'avère que ta quantité de farine que tu as apportée, elle va être soit inférieure à la quantité requise, soit supérieure à la quantité requise. Et maintenant, on explique un petit peu mieux qu'est-ce qui se passe. Lorsque je vais prendre le levain, alors le levain, bien sûr, je l'ai retiré maintenant depuis la dernière pâte que j'ai faite il y a 3 jours, je l'ai laissé chez moi quelque part. De deux choses l'une. En général, il va durcir et il va falloir le liquéfier davantage ensuite. Le rendre plus... sinon, il est très compact. Alors, si tu vas le prendre lorsqu'il est encore compact, là, il y a le phénomène que je vous ai dit tout à l'heure. Apparemment, tel que c'est écrit, j'imagine, je vois tout à fait la situation. Je ne suis pas parti voir en cuisine, mais je pense que c'est vrai. Prenez un verre de farine, remplissez-le à bord, sans trop tasser la farine, d'accord? Vous versez tel quel, vous le laissez un petit peu avec un peu d'air, et versez un petit peu d'eau. Vous allez voir que le niveau, il va baisser. Oh, coup de magie. Vous rajoutez de la quantité, et ça fait que le niveau, il baisse. Et la raison, elle est très simple, parce que l'eau, elle va faire que maintenant, tout va devenir encore plus compact. Donc le levain, il se présente de deux manières. Soit pour le moment de manière très compacte, et donc si tu vas prendre ça, tu vas le mettre dans ton récipient et rajouter de la farine dessus, alors là tu vas avoir le problème que tu as rajouté plus de farine que ce qu'il fallait. Il s'avère que concrètement tu as plus qu'un isaron.
Si tu n'avais pas mis ce levain, tu avais mis à la place la vraie quantité de grains de farine qu'il y a dedans, t'aurais atteint le niveau de Lissarone beaucoup plus tôt. Si ton Lissarone est trop liquéfié, alors maintenant tu es rentré dans l'autre problème. Dans ce cas-là, ça a pris plus de volume que ce que la farine elle-même représentait. Il s'avère que tu n'as pas rajouté la quantité de 1 Lissarone. Comme ça, il finit le Bar Tanoura. Et il nous conclut que malgré tout, la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, sans nous expliquer quelle est la solution finalement. Alors comment il va faire selon Rabbi Yehuda? Et sur ça, on a besoin du Tiferet d'Israël. Je vous le lis tout de suite, je ne sais pas si vous avez dans le livre que vous étudiez, dans 5 minutes, on n'imprime pas le Tiferet d'Israël. Mais je l'ai ici. Pour Rabbi Yehuda, lo chash lehar kushia. Pour Rabbi Yehuda, ça ne le dérangeait pas, cette objection. Dev shar, shimdoda kemar, shosemi menoazor. Solution très très simple. Lorsque tu vas fabriquer le seor, quelques jours avant, par exemple, la dernière pâte que tu as fait il y a 3 jours, eh ben, au lieu de juste de prendre un petit bout, t'as qu'à calculer la quantité de farine que tu vas mettre. Tu as moyen de faire une estimation exacte de combien il y avait de farine et combien ça t'a donné de pâte et combien tu as retiré. Et dans ce cas-là, tu vas dire que tu auras retiré un 1/20 de la pâte, par exemple. Eh ben, tu sais que tu avais mis 1 kg de farine, donc ça te fait 1/20. D'accord? Et donc, 50 grammes. 5 grammes. Ouais. 5 grammes. Je dis des bêtises. C'est pas grave. Je suis fatigué à ce temps-ci. Donc, veillez à Kol. Et donc, Rabbi Yehuda, Lochash, Lehar, Kushia. Rabbi Yehuda, lui, n'a pas eu de problème avec cette question. 50 grammes. Devchar, Shimdod, Akemar, Sheose, Mimenu, Aseor. Car il est possible qu'il va mesurer la quantité de farine avec laquelle il va faire ce petit bout de Seor. Il va lui donner une mesure bien exacte. Donc, il a mis sa farine, il a retiré 1/20. Et tac, il sait que ça fait ce morceau comme ça. Et donc, finalement, ce qui était initialement un volume de 50 centilitres, ça va tenir maintenant 65 centilitres. Donc, qui sait que lorsqu'il va avoir 65 centilitres de séor, de levain, il sait qu'il y a en réalité 50 de farine, par exemple. Ok, otoshiur yarsir acharkar me'aïsronot. Et donc, dans ce cas-là, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une mesure entière. Alors là, j'ai pas compris pourquoi elle est rentrée dans ça, le Tiferet d'Israël, mais je traduis tel que c'est écrit. Il va prendre sa mesure de 1 Lissarone entièrement. Il va prendre ensuite ce levain, il va le mélanger dedans. Il va laisser tout fermenter, puis après il va retirer le petit bout de l'équivalent de 65 centilitres de volume, par exemple, et en sachant que maintenant il a gardé le rapport exact de Lissarone, d'accord? Bon, après il rallonge plus. Nous, pour notre propos, on a déjà tout compris. Je vous dis, la halakha établie comme Rabbi Yehuda, qu'il y a un intérêt, on cherche à faire le chametz de la Toda qui soit bien levé. Et de ce fait, on préfère la porter de l'extérieur plutôt que de faire fermenter depuis cette même pâte que l'on fait à présent. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov.